Aujourd'hui, c'est un jour de fête pour notre mosquée, notre association Culture et Citoyenneté, située à Champs-sur-Marne. Donc, je me présente, je suis Karim Kerfouche, le président de cette association qui a maintenant plusieurs années d'existence. Donc, aujourd'hui, c'est un jour de fête. Pourquoi ? Parce qu'on célèbre la fête annuelle de la récitation du Coran par nos élèves. Donc, il y a un grand concours que nous mettons en place maintenant plusieurs années. Et nos élèves récitent devant un juré, en la personne de monsieur, notre très bien-aimé Bakary Koné. Innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata ibrahim hanifan wa ma kana min al mushrikin. Et notre frère bien-aimé et imam, Cheikh Ammar, qui est président du jury. Et ça permet, Inch'Allah Azzawajal, donc, d'éduquer nos enfants sur les principes de notre belle religion. C'est un moment de fête, c'est un moment de joie, où il y a un partage qui se fait entre les parents et les enfants, puisque les parents accompagnent leurs enfants. Donc, c'est un moment où on partage de la joie, c'est un moment de... L'allégresse, où les parents voient les résultats de leurs enfants, ce qu'ils ont appris au cours de l'année, et on couronne cette année par le concours de Coran. Bismillahirrahmanirrahim, wash-shamsi waduhaha, wal-qamari iza talaha. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ما شاء الله بارك الله فيك جزاك الله خير بارك الله فيك. Une remise de cadeaux à tous les enfants. Je dis le concours de Coran, mais notre école ne propose pas que des cours de Coran. Notre école propose des cours d'éducation qu'on appelle Tarbiyah al-Islamia, mais c'est de l'éducation civique. On leur apprend à bien se comporter et à avoir une bonne attitude et un bon comportement dans la vie de tous les jours envers leurs parents, envers leurs aînés, envers leurs professeurs, dans la société en général. Donc c'est des cours qui nous permettent, qui leur permettent de bien vivre et de bien accepter les règles de vie en collectivité et de bien de faire que le vivre ensemble soit quelque chose de réel. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, était l'homme le plus pieux, le plus doux, le plus généreux qui portait la terre. À travers le comportement exemplaire de son serviteur, Allah nous montre comment vivre dans le dîn et comment cohabiter avec les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'élevait jamais la voix. Il partageait le peu de nourriture qu'il possédait à son propre détriment. Il était respectueux de ses voisins. Il était calme et patient avec tous les enfants. Et il était doux, gentil et affectueux envers toutes ses épouses sans distinction. Merci à tous ceux qui sont venus, à tous les parents qui sont venus par dizaines, même par centaines, aux enfants qui se sont investis. Merci aux professeurs qui ont fourni un travail tout au long de l'année avec leurs élèves. C'est un plaisir de voir des gens aussi heureux autour de moi là, aussi épanouis, aussi joyeux. Ça, c'est la plus belle des récompenses. C'est la plus belle des récompenses de voir nos enfants, hein, toutes les familles au diapason. Hein, on voit que ça se passe dans la bonne humeur, dans la joie, qui sont fiers. Ils sont fiers de voir leurs enfants réciter et apprendre et transmettre ce patrimoine, cette richesse
cette culture qui est la nôtre. Alhamdulillah, barakallahu fikoum jami'an, et inshallah, à l'année prochaine.